bienvenue à Boulogne-sur-Mer. Notre visite commence donc ici, au pied des remparts. Face aux côtes d'Angleterre, Boulogne est depuis l'Antiquité un grand port de pêche et une ville fortifiée. L'enceinte médiévale abrite ses monuments les plus remarquables. Châteaux, beffrois, basiliques, demeures du XVIIe et XVIIIe siècle. La porte de Calais, c'est l'une des quatre portes de l'enceinte fortifiée. Très animée l'été, cette partie de la ville vous invite à flâner dans ses remparts. La porte neuve est l'escalier menant au chemin des Rondes. Le chemin des Rondes est aménagé pour la promenade à pied et vous offre une belle vue sur la ville. Classé au monument historique depuis 1905. La ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer est aussi appelée Hauteville car elle se situe sur une colline de 60 mètres d'altitude, contrairement à la basse ville qui se trouve quasiment au niveau de la mer. On dit aussi que Boulogne-sur-Mer est la capitale de la Côte d'Opale. Le château, endroit magique et merveilleux à la fois. Nous resterons émerveillés tout au long de notre parcours. En 4 ans, le château et les fortifications ont été construites par Philippe Uropel de 1227 à 1231. Puis, au XVIIe siècle, le château sera aménagé en caserne et sera utilisé comme prison jusqu'en 1974. Et c'est en 1988 que le musée sera inauguré. Dans la cour du château, des manifestations sont parfois organisées, principalement des concerts en été. La basilique Notre-Dame. Elle est classée au titre des monuments historiques en 1982. L'ensemble des parois est recouverte de peintures réalisées entre 1840 et 1863 par des auteurs inconnus. Elles sont ornées de 160 grandes scènes religieuses consacrées à l'histoire de la chrétienté et de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer. On raconte que vers l'an 633 arriva dans le port de Boulogne un vaisseau sans matelot et sans rame, où l'on découvrit une représentation de la Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus sur son bras. Innombrables sont les grâces de conversion, de guérison et les miracles obtenus par les pèlerins en ce sanctuaire. Son dôme est grandiose et vraiment impressionnant. Il s'élève à 100 mètres de hauteur et vous serez séduit par sa beauté lumineuse. On ne s'imagine pas Boulogne-sur-Mer sans cette basilique colossale. Voilà, c'est ainsi que se termine notre visite de Boulogne-sur-Mer.